Et qu'est-ce qui t'intéresse le plus de France ? Là en fait c'est de mettre de plus en plus de. C'est-à-dire de mettre du suspense en fait. C'est-à-dire que dans la façon de faire parler les personnages. Et puis il n'y a pas que ça. En fait, là je m'amuse sur cette partie-là, je me suis amusée à faire un cancanage autour, par exemple, du meurtre, dans les dialogues. Je me suis bien amusée sur les dialogues. Voilà, mais au niveau du policier, l'idée effectivement c'est d'emmener sur des pistes et qui ne sont pas forcément les bonnes pistes, par exemple. Ou c'est de donner des indices. Il faut qu'il y ait des intrigues, voilà. Il faut qu'il y ait des fausses pistes. Voilà. Voilà. Ouais, tout à fait. Et il y a la partie psychologique aussi, moi j'aime bien aussi bien la sûr. Partie psychologique de, là sur le personnage principal, tout le cheminement pour arriver jusqu'à la scène où on en est là, moi m'a beaucoup plu. Je me suis vraiment amusée à voir son questionnement et du coup... Mais si tu es surprise en écrivant ouais, je livre, rigole même des fois. Si tu es surprise, dis-toi que le lecteur sera également surpris. Oui, bien sûr. Écoute, pour l'instant, j'ai des émotions. Donc, c'est ça qui compte. C'est ce qui compte. Et puis, j'adore, évidemment. Bon, c'est merveilleux. Non, on s'amuse. Et alors, ne pas oublier, on fait du comme si on y était et comme si on n'y était pas. Oui. En laissant la porte grande ouverte au patrimoine du rêve et de l'imaginaire. Exactement. Hein? On est sur la même longueur. Nous sommes tout. Sur les mêmes réseaux de sensibilité. C'est ça, des réseaux de sensibilité, ouais, c'est bien. Bon, c'est formidable. Ça, c'est un réseau de sensibilité. On est sur le même réseau.